C'est lui, hein? Mais non. Oh, c'est lui. Mais non, c'est pas lui. Je sens que je vais craquer. Oh, non! Je vais craquer. Pardonnez-moi de troubler votre méditation, mes frères, mais... Je sais que vous êtes tenu à la règle du silence. Ça y est, je craque! Vite, allez, vite! J'ai craqué. Maman. Mon petit. Maman, je vais rentrer à la maison. Je vais rentrer chez nous. Tout de suite. Bon. Ben, je m'incline. C'est guérison avant tout. Le cadre familial, soit, mais... À la belle époque. Mais enfin, monsieur le professeur, vous voulez vraiment l'installer dans mon hôtel? Vous n'avez rien entendu comment? Non, je dis bien entendu. Ah, cet hôtel qu'il a connu en 1900, vous croyez qu'il va le reconnaître? Simplement remettre votre tête parce qu'il est dans l'état où c'était, monsieur Sien. J'entends dire, je ne comprends rien. Non, je dis que vous allez tout simplement remettre votre hôtel particulier dans l'état où il se trouvait au début de ce siècle. Enfin, monsieur le professeur, vous n'y pensez pas, j'ai dépensé des fortunes pour le faire moderniser. J'ai donc fêté les transformations, les peintures sont encore fraîches. Mais puisque votre parent ne peut pas venir d'emblée à notre époque, il faut que notre époque aille à lui. Dites-moi une idée. Si nous lui apprenions à quelle époque nous sommes, subitement, d'un seul coup, la pam, ça ferait des économies. Ça le tuerait. Ah non, pas ça! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit! Si! Vous avez dodeliné de votre grosse tête dans une intention inavouable. D'abord, cher ami, je n'ai pas une grosse tête. Ensuite, je n'ai pas dodeliné. Mais si, vous avez une grosse tête, puis vous avez dodeliné. Bon, alors, admettons que j'ai une grosse tête, mais je n'ai pas dodeliné. Ah si, vous avez dodeliné. Mais qu'est-ce que vous appelez dodeliné? Ben, c'est fait comme ça. C'est ça, voilà, dodeliné, voilà, je dodeline. Je dodeline, là, je dodeline. Alors là, d'accord, j'ai pas dodeliné. En voilà assez. Que vous le vouliez ou non, grand-père viendra vivre avec nous. D'ailleurs, nous avons reçu des ordres pour que rien n'arrête l'expérience. Des ordres d'en haut.